Regarde ce que j'ai. Le ticket qui va changer notre vie. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette année, on va gagner le gros lot. Ouais, sauf que ça fait 7 ans qu'on se tape des lotos avec tout l'immeuble, on n'a jamais gagné un truc. Si, l'année dernière, 2 euros. Ouais, et en plus, divisé en 5, ça fait même pas de quoi acheter un tableau. Oula, bon, une supposition, hein. Vous gagnez, vous faites quoi? Oula, si je gagne, déjà, je mets les enfants à la DAS, en pension. Et puis là, j'emmène Agnès au Brésil, et on se lâche. Et alors? Et alors? À table! Régis, tu peux ouvrir la poubelle? Oh, oui! Alors, le tour aujourd'hui, hein? Ah, alors, si je gagne, oui, je me fais faire un lifting là, là, et là. Et j'achète un blouson de cuir à Elvis. Bon choix! Bonsoir! Alors moi, si je gagne, je m'achète une champigneuse, je me barre avec au Brésil et je me fais faire un lifting. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Je suis sûr qu'il l'a caché chez quelqu'un. Salut! Salut! Alors, la muscu? Qu'est-ce que tu fais, là? Bah écoute, là, j'étais en train de faire mes abdos fessiers. T'es du tout mou, quoi? Oh, moi, j'y crois pas. Tu cherches encore ton cadeau d'anniversaire? Pas du tout! Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, Julien? J'avais juste envie de faire un petit peu d'exercice. Enfin, Rémi, c'est dans 2 jours. Tu peux pas attendre? Non, je ne peux pas attendre. C'est plus fort que moi. En plus, je sais qu'il est caché dans la maison. Te fatigue pas, tu ne trouveras pas. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, tu l'as pas acheté. Tu attends le dernier jour parce que tu n'as aucune idée de ce que tu vas m'offrir. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Enfin, tout ce que je peux te dire, c'est que tu t'y attends pas du tout. Tu vas halluciner. Regarde. Ah, t'as peut-être raison. Et puis t'as vu, j'arrive complètement à gérer. Bah tant mieux. Bon, bah je vais prendre une douche. Rémi, laisse tomber, il est pas dans le sac. Un sac? Quel sac? Non, là, non, c'est pas... Allez, pas là. Quoi? Les caleçons sales, là, j'en peux plus, attends. Oh, bah non. Salut les filles. Qu'est-ce que vous êtes belles. Ah, merci. Excusez-moi, je veux parler à votre sœur. Ah, c'est charmant. Si tu me trouves belle au naturel, maquillée, je te raconte pas. Mais tu es maquillée. Vous savez, Maryse, je vous trouve très séduisante. N'insistez pas, on vous achètera pas de livres. Là, je suis pas une femme objet, moi. Valentine, occupe-toi du caddie. Oh, j'adore quand elle fait ça coincée. Mais te casse pas trop, t'as aucune chance. Aucune chance? Laisse-moi 24 heures et je l'emballe. Ouais, en attendant, tes caleçons sales, pas la chance. Oui, on prend les caleçons. Ouais, mais non. Oui, bon, d'accord. Dis-moi, Valentine, tu as vu? Le père de Régis me drague. Quelle horreur, il nous a vulgaire. Ah, je suis pas d'accord. J'aime bien ce côté vieille canaille. Marie, tu vas quand même pas me dire que le père de Régis te plaît? Mais non, bien sûr. Mais Valentine, on va s'amuser.
Je vais le faire marcher jusqu'au bout. Alors regarde et prends des notes. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Je vais te montrer comment on peut mener un homme par le bout du nez. Mais il a au moins 10 ans de plus que toi. Eh ben, d'habitude, avec 10 ans de plus, soit ils sont morts, soit ils sont hors d'état de nuire. Et lui, il est vraiment hors d'état de nuire. Ouh, va savoir. C'est toujours des boudins qui présentent le loto. Ah non, moi je trouve pas, elle est vulgaire, juste comme il faut. Je vous rappelle le montant de la super cagnotte de ce soir, 2 millions d'euros. Abrège, j'envoie les boules. Et voilà le premier numéro, le 3. Ouais, ah, ça commence mal. Le 15. Oula. Le 7. Le 23. Mais où est ça? Question, on a les trois. 45. Le 27. Oh non, on les a aussi, ça. Et enfin, le numéro complémentaire, le 18. Mais oh non, le 18 numéro, c'est complémentaire. Allô, allô, bonjour. Non, c'est une voix électronique. Alors, 5 numéros plus le complémentaire, étoile. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils calculent. Mais dis, et si c'est long comme ça, c'est peut-être qu'on a gagné. Mille euros. 1000 euros. Non, 60 000 euros. Je le savais, ça. J'avais le pressentiment, ça, c'est sûr. J'ai cherché une bouteille de champagne, on va faire une super fête avec tous les voisins. Quel voisin? Attends, Christian, tout ça, on le garde pour nous. Pense au bébé, mais c'est inespéré. Non, mais Agnès, c'est pas possible. Tout le monde a participé, on doit diviser en 5. Quoi, c'est pas possible? On a signé quelque chose? Non. Christian, qui est allé faire le loto? Bah, nous. Ouais, alors le gain, il est pour? Nous? Voilà. Et tu préfères pas avoir 60 000 euros que 12 000 euros? Bien sûr que je préfère avoir 60 000 euros, mais c'est moche de faire ça. Non, c'est pas moche. Ce qui est moche, c'est qu'une famille aussi honnête et travailleuse que nous ne puisse pas habiter un pavillon. Tu vois, ça, c'est très, très moche. Et Christian, je te rappelle que nous allons avoir 3 enfants. Et puis, si ça se trouve, ils sont pas au courant qu'on a gagné. On a gagné! Des sous! Maman, va mon lot sur la boisson, j'ai pas envie de te porter. Ah, laisse-moi vivre ma vie, hein! On a gagné au loto! Oh, il se réveille celui-là! Quand je pense que Daddy dit que l'argent fait pas le bonheur! Bon, quand même, calmons-nous, j'ai quand même que 12 000 euros par appartement! Oh, rabat-joie pour une fois qu'on gagne quelque chose! C'est décidé, moi, j'achète un avion. Oh, hein? Bon, tu m'emmèneras faire un petit tour. Ah oui, avec un grand parachute. Oh, le bordel, ils sont au courant. Fais comme si tu les voyais pas. Voilà notre billet qui arrive. Costa, président. Merci beaucoup. En tant que président du syndic, j'aimerais vous faire part de ma fierté, car c'est tous ensemble, d'une seule main, que nous avons misé sur les numéros gagnants. Dommage, nous sommes vraiment passés à un cheveu de la super cagnotte. Mais bon, écoutez, la déesse de la chance a quand même souri à notre immeuble. Alors s'il vous plaît, une pensée, une seule, mais profonde, pour ceux qui n'ont pas joué, notamment mademoiselle Grandjean et son compagnon. Tant pis pour leur gueule. Maniez-vous et ramenez-nous la fric. Oulala, pas si vite, parce que il faut un petit peu de temps, n'est-ce pas? Il faut que j'aille faire valider le billet chez le buraliste. Ensuite, à cognito, je vais chercher le chèque au loto national, dépôt à la banque, et seulement ensuite,
À nous les pépettes. Oui, oui, les pépettes. Oh, ouais, c'est moi, Augustin. Embrassez-moi. Mais reprenez votre mère. Maman. Non, laisse-moi, c'est mon premier bain de foule, là. Allez. Monsieur le président. Allez, c'est bien. Félicitations. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Écoute, cet argent nous appartient. Pense au bébé. Agnès, je vais faire ce que le devoir m'impose de faire. Non mais j'ai pas dit non, j'ai dit on verra. Je sais pourquoi tu hésites à t'installer avec moi. Ah bon? C'est parce que j'ai pas mis le frigo américain dans la cuisine. Mais non. C'est la piscine, elle est trop petite. Mais non, c'est pas ça, Stéphane. C'est juste que ça fait seulement 3 semaines qu'on est ensemble, quoi. 3 semaines, c'est pas assez pour connaître quelqu'un. Ah, toi, tu te tais, hein? Parce que par contre, toi, je te connais. Ouais, c'est vrai, Elsa, de quoi tu te mêles? Bon, ce dîner avec mes parents après-demain, c'est toujours bon? Oui, bien sûr. Ouais. Super. Mmh. Ma mère a vraiment hâte de te rencontrer. À plus, ma puce. Mais tu vas dîner dans le grand monde. Il va falloir que tu révises ton manuel du savoir-vivre de Madeleine Rothschild. Tu sais que c'est très mauvais pour la peau, la jalousie. C'est vrai. Mm-hmm. La jalousie me ronge de l'intérieur. Moi, après-demain soir, je vais me faire chier dans une soirée avec des footballeurs et des comédiens, alors que toi, tu vas t'éclater avec tes beaux-parents. Je ne sais si je vais pouvoir le supporter. Mais bon, il y a des footballeurs? Merde. Belle maman! Pardonnez-moi, passez-moi la pince à sucre, j'ai le nez qui me gratte. Tu es sublime. Attends, on a l'impression qu'elle a été faite pour toi. Attends, c'est magnifique. Vas-y, pousse-toi. Tu es tellement belle. Oh non. Attends, mais fallait pas l'essayer, tu sais très bien que ça te met toujours dans cet état-là. C'est ma psy. Oh. Elle m'a dit qu'il fallait soigner le mal par le mal. Mais tu sais, se faire plaquer à quelques jours de son mariage, ça s'oublie pas comme ça. Non, alors là, je veux dire, c'est absolument pas le moment. Il y a Clara qui essaye ma robe de mariée. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben, ça porte la poisse. Mon père a vu celle de ma mère la veille de leur mariage. Ils ont divorcé l'année dernière. Ça y est. Bonjour. Bonjour, mon amour. Mmh. Et pourquoi elle a mis ta robe? Elle est maso ou quoi? Ah, bah c'est son psy qui lui a dit qu'il fallait qu'elle confronte les traumatismes. Ah, bah en parlant de traumatisme. Tiens, ça y est, j'ai dit à mes parents qu'ils allaient rencontrer les tiens cette semaine. Mmh. Eh ben, je le sens pas. Hein. Les parents, c'est comme l'alcool. Faut pas faire de mélange. Mmh. Le problème, c'est 12 millions par appartement. C'est dans l'auto. Il est où? Mais c'est pas la peine de crier, il va arriver. Ouais, tu parles, il a dû s'acheter une perruque, une moustache, et à l'heure qu'il est, il est en colorbie avec notre fric. Vous êtes en plein délire. C'est pas du tout le genre de Christian. Bon alors, il est parti où chercher la cagnotte? Pourquoi il est aussi long? Il y a un truc bizarre, là. Vous vous rendez à l'évidence? Votre mari vous a plaqué, surtout maintenant que vous êtes enceinte. Il a du filet avec une jeunette. Peut-être même deux. Deux de 20 ans, ça vaut mieux qu'une de 40. On n'avait que 40 ans? Et ce serait pas la première fois, hein. Souvent, les gens disparaissent avec la caisse. Mais vous racontez n'importe quoi. Christian m'aime, il m'aime passionnément. Moi, j'ai entendu à la radio qu'un type qui avait gagné au loto, eh ben, il avait bouffé sa femme pour pas avoir à partager avec elle. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Oui, c'est ça. Je suis sûre que c'est ça. Je vais appeler les hôpitaux. Quoi? Mais... elle est pas... Il l'a vraiment bouffé? Maman? C'est vrai que papa s'est barré avec le fric? Moi, je suis sûre qu'il a une maîtresse. Il aurait jamais pensé à ça tout seul. C'est pas possible. Il a pas pu partir. Il a pas fini sa maquette. Ah. Oh. C'est quoi ça? Bonsoir tout le monde. Alors, et notre argent? S'il vous plaît, vous voyez pas qu'il est blessé? Il est où notre argent? Parlez ou je vous tape. Laissez-moi vous expliquer, j'ai été attaqué à la sortie de la banque. Christian! Oh, Christian! Tout va bien, mon amour? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été agressé! Oui, j'ai,
Ils ont dû me suivre et après ils m'attendaient sous un abribus. Mais on s'en fout de notre argent. Mais non, mais ils étaient deux, ils m'ont attaqué par derrière comme des traîtres. Et puis alors là, moi je suis tombé, mais quand je me suis relevé, l'argent avait disparu. Putain! Oh là là, c'est badaud là, je m'en veux, j'aurais dû venir avec vous, monsieur Costa. Non, parce que j'ai essayé de me défendre. Non, mais là, ouais, mais la supériorité numérique unie aux facteurs de surprise a été déterminante. Oh mon pauvre amour. Ouais, alors j'ai été à l'hôpital hein, en observation. Et puis, voilà. Mais notre pognon! Madame Fouchard, le choc à la tête a été vraiment violent. Mais alors, après, la police est venue. Ils m'ont expliqué que c'était une bande organisée. J'ai porté plainte, hein, d'ailleurs. Voilà. Et puis, excusez-moi, mais là, j'ai un peu la tête qui tourne. Hein, je me sens pas bien. Viens, mon amour, viens t'allonger. Vous devriez tous être morts de honte. Ah, vas-y, doucement. Doucement. Vas-y. Merci. Merci à tous. Ah oui, c'est ça, merci. Bon. Que ceux qui l'ont cru lèvent le doigt. Valentine! Oh, si je tenais les petits salopards qui t'ont fait ça! Personne ne m'a attaqué, Agnès. Je comprends pas. Un coup de folie, j'ai fait semblant. Regarde. J'ai même pas encaissé le chèque. Ne refais plus jamais ça! J'étais inquiète! Oh mon amour! Tu es génial! Tu es génial! J'ai été pas averti pour que ta réaction soit naturelle devant les voisins. Ça a marché. Mais ça, c'est quoi? Ah, oh, ça. Je me suis auto-mutilé là pour que ce soit crédible. Oh, mon amour, je suis fière de toi. Je vois déjà notre ville-là. Enfin, moi, par contre, je suis pas très fière de ce que j'ai fait. Non, c'est vrai, je me sens mal. Maryse, qu'est-ce que tu fais? Stratégie numéro 1, l'attaque frontale. Oui. Dis-moi, ton père est là? Ah, t'as de la visite. Maryse, c'est pas à toi de courir derrière un homme. C'est à lui de faire le premier pas. Prends des notes, toi. Laisse-moi faire, je vais monter la mayonnaise. Ah, oh, Maryse, salut. Salut. Alors, on a envie d'une aventure avec moi? Bah, c'est-à-dire, non, je cherche l'amitié. Ou s'il y a affinité. Bon, demain dîner à la maison. 20h pétante. Ça paie rasé, j'aime pas quand ça pique. Qu'est-ce qu'il lui prend? Elle fait grimper la mayonnaise. Tiens, bonjour. Allez, donne-le-moi, je sais que c'est toi qui l'as. Je vois pas de quoi tu parles. Allez, fais pas innocent. Julien t'a donné mon cadeau d'anniversaire pour que tu le caches. Non, il m'a rien donné du tout. Patrice, tu sais pas mentir. Hey, c'est pour ça que ta femme t'a quitté. D'accord. Je le savais. Je t'aime bien, Julien. Bon, écoute, Julien m'a donné ça, mais tu dis rien. Des petites bottines en cuir qu'on a vues en vitrine. Il est trop. Hé, t'y fais pas le papier. On s'en fout, tu referas un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, elles ont l'air confortables. Des pantoufles. Alors là, c'est le pompon. Déjà qu'avec des serviettes de bain, je croyais qu'il avait touché le fond, mais alors là... Ben, si elles te plaisent pas, tu me le dis, je les offre à ma mère. Si Costa nous a menti, il va le payer cher. Oui, en attendant, sa blessure, c'était pas du pipeau non plus, hein. Oui, le procès-verbal de la police est parfaitement authentique. Attendez, vous qui êtes avocat, vous pouvez vous donner droit à l'autre. Mais justement... Bonjour. Alors, quelqu'un a encore un doute? Non,
Là, je crois que c'est bon, là, hein. C'est clair. Bon. Eh ben, il faut aller fouiller chez eux. Mais comment on va faire? Il y a toujours quelqu'un chez eux. Moi, j'ai ma petite idée. Comment ça, elle est pas enceinte? Enfin, docteur, c'est vous qui me l'avez dit, écoute. Hein? Le labo a fait une erreur, mais moi, je... Vous êtes sûr? Non, parce que elle a des seins énormes en ce moment. Oh là là. Mais comment je vais lui dire ça, moi? Mais ça fait des semaines qu'elle croit qu'elle est enceinte. Chérie, c'est moi. Alors, je te préviens, j'ai fait des folies, mais alors énormes. Va vite encaisser le chèque, j'ai fait flamber la carte bleue. Alors, j'ai trouvé des trucs, mais formidables, des robes de grossesse. Et regarde, regarde pour le bébé. C'est trop mignon, oh, non? C'est ravissant, mais Agnès, je n'ai pas passé devant les voisins avec tous ces paquets parce qu'il ne faudrait pas leur mettre la puce à l'oreille. Hein. Oh, mais mon amour, les voisins n'ont absolument rien vu. Et si tu savais comme je suis heureuse avec ce bébé qui pousse dans mon ventre, cet argent qui nous tombe dessus. Oh, mon amour, on va enfin avoir la vie qu'on mérite. Agnès, je viens de... Après. Viens. Oui. C'est-à-dire que... Agnès, C'est-à-dire que j'ai quand même un truc à te dire. Et en même temps, la proposition... Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. En même temps, on n'est pas à 10 minutes près. J'ai fait la queue aux cabines d'essayage, j'ai fait la queue aux caisses, j'ai failli casser la gueule à une vendeuse qui m'a dit que j'avais un gros cul. Ma bête, tu peux pas agresser les gens sous prétexte qu'ils disent la vérité, hein. Mais tu vas pas t'y mettre toi non plus quand même. Non, puis le pire c'est que j'ai dépensé 200 euros et que maintenant je trouve tout moche. Bah vas-y, montre. Non. Allez. Alors, pour une super soirée avec Régis Ayrin, mais pour un dîner guindé avec les parents de Stéphane, ça craint. Je te vois venir avec Régis. Pas du tout, hein. C'est vrai que je trouve que Régis est un type terriblement sexy et rock'n'roll, mais t'as fait ton choix, je respecte. Non, c'est fou, ça. Depuis que j'ai décidé de vivre avec Stéphane, tu trouves que Régis est une perle rare. Bon, ça résout pas ton problème de fringues pour demain soir. Est-ce que tu veux que je te prête quelque chose? Ah non, merci, hein, j'ai envie de faire bonne impression. Ce sont mes bottes, quand même. On a un problème dans l'immeuble, on peut entrer? Attendez, c'est-à-dire que je ne... Oh bah alors, on se prive de rien? Oui. On fait quelque chose, monsieur Costa? Non, c'est tous les jours comme ça chez nous, je peux faire quelque chose pour vous. Il rentre notre argent. Bon, allez-y Valentine, expliquez-leur. Hein? Ah oui, alors voilà, nous avons une grande tache d'humidité dans le plafond de la salle à manger. Ça doit être votre machine à laver, elle a une fuite. Et c'est pour ça que vous venez aussi nombreux? Oui, et puis on voulait en profiter aussi pour prendre des nouvelles de Monsieur Costa. Ah oui, parce qu'on s'inquiète beaucoup pour lui. Ouais. On espère que ses facultés intellectuelles ne sont pas atteintes. Déjà qu'il était un peu... Non, ça va, merci beaucoup, je vais très bien. Allez, on va voir l'ampleur des dégâts. Votre femme ne sait sûrement pas se servir de la machine à laver. Mais je sais me servir d'une machine à laver, elle a pas de fuite. Mais... Voilà. Et là, on va attendre ici, hein. On a hâte de savoir d'où vient la fuite. Je suis sûr qu'on trouvera rien du tout. Non, t'es mauvais pote. Je suis toujours de mauvaise humeur la veille de mon anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Elle t'en prend plus les pantoufles? Si, elles étaient super. Merci beaucoup, Julien. Ah, tu t'es bien fait piéger, Rémi, hein. Mais j'étais sûr que tu pouvais pas attendre, là, direct dans le piège. On réglera ça à la maison. Voilà, c'est là. Bah, y a rien, là. Non. Bah, elle est plus là. Mais pourtant, je vous assure qu'elle était là. Bon, bah tant mieux, on peut remonter alors. Non, oh, attendez, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Une preuve. Hein? Ça, c'est du sel. Mmh. Normalement, le sel, ça coule. Et là, il coule pas. La preuve que c'est humide. Allez voir. Eh ben, ça coule. Mmh. Vous les cacheriez où, vous, les billets? Oh, moi, je les garderai pas. Les dépenses faites.
Bon, Patrice. Oui. T'as trouvé quelque chose dans la chambre? Des slips de costard, trop sexy. Bon. Vous cherchez quelque chose, là? Attends, j'hallucine. Ils sont en train de fouiller notre appart. Non, bah, non, fouiller, c'est un bien grand mot, quand même. Oui. Tes parents ont volé l'argent du loto. On est venu le récupérer. Je vous ai interdit de dire ça, Madame Fauchard. Puis je vous rappelle que mon père a été agressé. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils disent que vous avez volé l'argent du loto. Mes parents sont peut-être ringards et attardés, mais c'est pas des voleurs. Tain, mais vous respectez vraiment rien dans cet immeuble. Mon père est incapable de faire une chose comme ça. Et puis c'est vraiment pas son style d'aller voler l'argent des autres. C'est dégueulasse de l'accuser comme ça. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je me suis senti trop mal quand les enfants nous ont défendus. Maintenant, il va falloir leur dire que leurs parents sont des voleurs, que les voisins avaient raison. Quand est-ce qu'on a menti à nos enfants? Jamais! Oh, si, une fois, quand on a dit à Théo que les lutins habitaient dans la forêt. Il nous a cru, tu te souviens? Quel crétin, ce mot! Ouais. Enfin, toi et moi, on est des gens honnêtes. Comment on a pu en arriver là? Parce qu'on est humain, Christian. Moi, j'ai beaucoup pensé au bébé. Je l'imaginais jouant dans le jardin avec un vrai barbecue en pierre. Bon, c'est décidé. Dès demain, je vais à la banque, je prends l'argent et je partage avec les voisins, comme on aurait dû faire depuis le début. On sera peut-être mort de honte, mais au moins on dormira tranquille. Bon, pour le bébé... Je sais. Oh, moi aussi, j'ai hâte. Ça nous mettra du baume au cœur, tu verras. Voilà. Aïe. Oh. Où il a caché ce cadeau? Le muesli, c'est fait. Le pain grillé, il n'y a rien dedans. Les pois chiches, c'est fait. Les pâtes... Ah! Et qui c'est le plus fort? C'est Mimi! Oh, un petit mot. Et qui c'est qui a l'air d'un con maintenant? Bon, allez, Rémi, un peu de dignité. Et surtout, remets de l'ordre dans la cuisine. Hein. Bon courage. Très drôle. C'est lui. J'ouvre? Non, attends. Voilà. Alors, ben, je suis prête. Plan numéro 2. Stratégie de la douche froide. Vas-y. Salut. Salut, c'est toujours bon pour ce soir? Je crois que ça va pas être possible. J'ai changé d'avis. Ah bon? Ah oh ben c'est dommage, j'avais déjà acheté le vin. Ah, bah, vous le boirez à notre santé. Ah bon? Plan numéro 3, la déstabilisation. Bernard. Oui? Attendez, j'ai réfléchi. Alors, ok pour le dîner, à 20h, pétante. Ouh! Pas balèze, hein? Mais qu'est-ce que je deviens, moi, là-dedans? Toi, tu fais partie du plan numéro 4, l'invité surprise qui s'incruste dans le tête-à-tête. Oui, je comprends. Stratégie, je tiens la chandelle. Merci. Eh oui! Bonjour, monsieur Costa. Ah, je... Bonjour, vous tombez bien, je voulais vous voir, je voulais vous demander pardon. Non, c'est nous qui vous demandons pardon pour notre comportement. Oui, on est désolé. Faut dire que dans cet immeuble, la logique, c'est toujours d'imaginer le pire. Mais c'est notre faute. Il faut jamais laisser un homme seul aller chercher une telle somme d'argent. Oui, mais c'est normal, c'est toujours vous qui vous occupez de tout. Oui, ça va, Valentine, n'en rajoute pas. Bon, bah, écoutez, j'accepte vos excuses. Tout le monde peut se tromper, comme on dit, errare, humanum, est. In cauda venenum. J'ai la cassette, avec les images du vol. Quoi? J'ai fait ma petite enquête. Juste en face de l'endroit où vous étiez agressé, il y a une succursale de ma banque. La caméra a tout filmé. Ça n'a pas été facile, mais j'ai obtenu la cassette. Ah, ben, moi, je vais l'emmener au commissariat. Non, on la regarde tous ensemble. Moi, je veux voir la tête des enfoirés qui ont piqué notre fric. Allez, touchez-moi. Patrice! Oui, enfin, chez ma mère. Je vous en prie. Entrez. Je vous en prie. Je vous en prie. Pardon. Allez-y. Oui, ben, vous aussi. Venez.
toute façon, on va rien voir, hein, ce genre d'enregistrement, c'est toujours très flou, c'est mauvaise qualité, enfin, je... Je cherchais à boire. Ouais, c'est ça. Ah, c'est parti. Oh, c'est en noir et blanc. Oh, Monsieur Costa. Et les bandits, ils arrivent quand? Oh, dis donc, ils passent vachement bien à la télé, hein. On dirait Guy Marchand. Ouais, le même regard de braise. Agnès, si les voisins me demandent, tu dis que je suis allé encaisser le chèque et que je reviens tout de suite avec l'argent, ok? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pas la peine de hurler. Christian est parti à la banque chercher votre argent. Il arrive tout de suite. D'accord. Je t'assure, papa, j'ai fait ce que j'ai pu, mais ils veulent vraiment se marier. Oh, mais il va falloir se faire une raison. Ça va, les filles? Bonjour, maman. Tiens, tu me donnes ton manteau? Oui. Voilà. Je vois que votre père est déjà là. Je suppose que je dois aller lui dire bonjour. Non. Fais un effort. Non, mais détendez vous. Ça va, François? Ça va, Nicole. Quelle élégance. Merci. Comme ça, tu vois où va ton argent. On ne commence pas tout de suite, on en garde un petit peu pour le dessert. Arrête, maman. Oh, bonjour, c'est nous. Que tu es belle. Chloé, ma fille. Tiens, débarrassons-moi. Je t'ai fait des petits gâteaux. Si, c'est gentil. Je vous présente mes parents. Voilà. Bonjour. Vous, c'est Nicole, c'est ça? Bonjour. On avait tellement envie de vous rencontrer. Hein, Edgar, je te le disais dans la voiture. Je sais pas, j'écoutais la radio, madame. Ah, bonjour. Moi, c'est Clara, la sœur de Chloé. Bonjour. Oh, on est enchantés de faire votre connaissance, hein? Oui. Hey, Chibane! C'est mon grand-père. Viens. Alors, t'inquiète pas, je te présente Chloé, ma fiancée. Bonjour. Voilà. Vas-y, assis-toi, tu vas manger, voilà. Je te présente ses parents, alors sa maman, son papa et sa sœur Clara. On dirait qu'il a faim. Il est sourd, mais il a un sacré coup de fourchette. À table. Oui, voilà. Viens, maman. Merci, madame. Merci, mon cher. Vous avez déjà une vie, celui-là. Papa. Allez, hein, on s'accroche. Merci. Et voilà. Oh, c'est gentil, mignon. C'est gentil, c'est très bon. Cœur. Ah, salut. Ça va. Qu'est-ce que vous faites tous ici? On attend Costa pour lui faire la peau. Ah, super. Oh, merci. Pardon. À toi, c'est toi. Agnès. Oui, c'est moi, je suis en bas. Je l'ai. Oh, voleur. Oh, l'enfin! Oh, lapin! Oh, c'est quoi ce bordel, Régis, là? Régis, c'est un lapin géant qui m'a volé l'enveloppe avec tout l'argent. Et un gros lapin, hein? Rose. Ouais, méchant. Allez, il va y avoir du sport, hein? La meute vous attend. Allez-y, monsieur Costa. Oh là, là, c'est le bordel, là. Ouais, courage. Là, l'escroc. Bon, les costas, l'argent, qu'on en finisse. Non, je vais tout vous expliquer. Je vois personne. C'est moi, Agnès. Voilà ce qui s'est passé. En fait, dès que je suis arrivé, tout le monde... Dis donc, on peut savoir ce que vous faites? Oui, d'ici, c'est mieux pour vous expliquer. Voilà, j'étais en train d'en venir avec l'argent quand, juste devant la porte, il y a un lapin qui m'a arraché l'enveloppe. Oh. Un lapin, oui. Oui, récemment, je me suis fait braquer par un castor. C'est sûr qu'on peut plus faire confiance aux rongeurs en ce moment. Ce matin, un lapin... Évidemment, c'était un homme déguisé en lapin. Enfin,
Je vous le jure, sur la tête de mes enfants. Oh, bah alors là, ils sont déjà morts, hein. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on n'a plus le choix, il va falloir qu'on le dénonce à la police. Non, mais là, avec son lapin, il nous prend vraiment pour des cons. Non, mais c'est pas un lapin, c'est toi qui es con. C'est un homme dans un lapin. Alors, papa, qu'est-ce que tu penses de la fiancée de ton petit-fils? Michiana, attendez les crevettes. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, rien. Bon, bah si on parlait de ce mariage, on est là pour ça, non? Y a pas le feu, on a tout le temps. Au contraire, mieux vaut mettre les choses au point tout de suite. Ah ouais? J'ai déjà pensé à un restaurant qui sera parfait pour l'occasion. Un mariage dans un restaurant? Mais il n'y aura aucune ambiance. Ça va être nul. Non, mais avec Chloé, on a déjà pensé que... Pour le mariage de ma cousine, ils ont loué un orchestre du tonnerre. L'orchestre nous a mis le feu jusqu'à 6h du matin. Danser. Justement, pour la musique, je connais une formation de jazz formidable. Très bonne idée, papa. Hein? Mais du jazz, ça m'étonnerait qu'on ait du... De toute façon, mon ex-mari n'a jamais aimé danser. Sauf pour inviter sa secrétaire pendant les slows et lui mettre la main aux fesses. Maman... Oh, Nicole. Bah quoi, c'est la vérité. Chloé, aide mon grand-père avec sa crevette, là, parce que ça commence à m'agacer, là. Ah, arrête la crevette, Daddy. Easy. Hein? Maggie, calme-toi. Fromage? Costa, t'es qu'un voleur. On va te faire la peau, crever les yeux. Je vous vois, Madame Fouchard, là. Faut me laisser tranquille, maintenant. C'est encore les voisins, là. Moi, je craque. Ils veulent me démolir. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Moi, je suis sûr que bientôt, ils vont me croire. Non. Après ce que j'aurais fait la première fois, ils auront plus jamais confiance. Ma carrière de président est foutue, là. Mais de toute façon, si tu vas en prison, ça n'a aucune importance. Merci, Agnès. En vrai, ça me rassure. Eh bien, arrête de jouer avec cette pantoufle, Christian. Ça me stresse et ça, c'est très mauvais pour le bébé. Bon, bah alors, justement, il y a plus de bébé. Tu racontes là? T'es pas enceinte. J'ai eu ton médecin au téléphone et le labo s'est trompé, ils sont formels. Menteur! Je te déteste! Je te déteste! Christian! Montée et dragée. Pour le mariage de mon fils, ça sera comme ça et pas autrement. Des dragées, mais si je vous disais où je me les mets, moi, vous dragez. François, ne sois pas vulgaire. Quelqu'un veut un petit gâteau? Oh, mais lâche-nous avec tes gâteaux, ils sont immangeables. Pour une fois, on est d'accord. Monsieur, je vous permets pas de parler à ma femme comme ça. Vous avez vu ce reportage sur la météorite qui tombe? Ça suffit. On vous avait réunis pour passer un bon moment, vous êtes en train de tout gâcher. Tu sais bien que c'est la spécialité de ton père. Eh bien, si ce monsieur veut organiser ce mariage comme ça lui chante, eh bien, ça sera sans moi. Et comme ça, vous ferez l'économie d'un invité. Hein, Rabia, tes affaires, tout de suite. Non. C'est moi qui veux plus rien savoir. Bon, ben c'est mal barré, on dirait. Hein. Un petit café? Oui. Tu te tiens bien. Oui. Règle numéro 1, tu ne te mouches pas dans ta serviette. Oui. Règle numéro 2, à l'apéro... T'évites la bière. Oui, et règle numéro 3, je sais, je ne postillonne pas sur mes futurs beaux-parents quand je leur parle. Ouais, sauf si c'est des cons, hein. Mmh. Bonne chance. Mmh. Je penserai bien à toi quand je me ferai draguer par le goal de l'équipe de France. Oh. Salut! Salut! C'est vachement belle, on dirait une esthéticienne. Tu penses que c'est un compliment? Bah ouais, c'est un compliment. Alors, ça y est, c'est le grand soir. Ouais, non, faut je sais pas. Tu fais un truc ce soir? Je vais inviter une soirée chez des copines. Deux mannequins hollandaises. Ouais. C'est super. C'est que bientôt, je suis blindé d'oseille, hein. Ouais. Ah, si Costa nous lâche ce qu'il nous doit, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et tu es belle, ma puce. Ouais, mais ça c'est bon, je l'ai déjà dit ça. Bon, on y va? Oui, ouais. Bonne soirée, Régis. Salut, connard. Vous savez, je suis une femme très sincère. Valentine, tu as trop picolé. J'aime aller droit au but et je dis les choses comme elles sont. Votre relation avec ma sœur, je ne la sens pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà, je l'ai dit. Mais oui, c'est ça. Tu l'as jeté ton venin.
L'aile ou la cuisse? Le croupion. Les hommes qui nous fréquentent ne le font que par intérêt. Mais oui, c'est ça. Ils voient dans quel luxe on vit et ils se disent « Je me ferais bien une des sœurs Rockefeller ». Ce qui m'intrigue, c'est que vous n'avez ni maison, ni travail. Bah, excusez-moi, j'ai un travail et j'ai eu aussi une maison. Avant que ma femme me fiche à la porte, bien sûr. Vous savez, ma sœur a l'air agréable comme ça, mais au fond, elle est odieuse. Ah. Elle est boulimique, acariâtre, grossière. Et en plus, elle ronfle. C'est pas pour rien que son mari l'a plaqué. Bon, eh bien... Je vais aller chercher une autre bouteille. À quoi tu joues, toi? Stratégie numéro 10. Je casse ton image pour savoir s'il a vraiment envie de toi. De toute façon, ça m'amuse plus. Je le vire après le dessert. Tu m'as fait peur. Mais ta soirée, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Écoute, dès qu'on est arrivé, j'étais assez fun que je me sentais pas très bien, puis je suis partie. Oh. Moi, je m'attendais à un dîner avec ses parents, puis en fait, il y avait toute la famille. Non, merci. 25 adultes et 12 enfants, braillards. Enfin, le traquenard, quoi, le traquenard. Je te comprends, hein. Allez. Qu'est-ce que ça? Champagne. Oh. 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 T'es revenu pour moi. Non, je te dis que j'ai tout fait, t'as pas compris? T'es revenu pour moi. J'ai tout fait, je te dis. Je te mens, t'es revenu pour moi, champagne. C'est tout. Allez! Pas bête. Vous savez, je l'avais prévenu. Je lui avais dit, si tu ne changes pas d'attitude, Ferdinand... Qui ça? Ferdinand, son ex-mari. Eh bien, il va te quitter. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'y a plus rien dans la bouteille. Je vais chercher la petite sœur. Vous n'auriez pas dit qu'elle tenait pas l'alcool. Ça dépend des millésimes. Marise, il n'y a plus rien à boire. Même pas la petite poire. Mais va chercher une autre bouteille à la cave, Bernard, accompagnez-la. Elle a peur dans le noir. Mais on n'a pas de cave. Vous n'avez qu'à creuser, vous finirez bien par en trouver une. Ah bon, bon. Et moi, je reste peinarde seule dans mon plumard. Pas sûr, ma beauté. Ok, docteur. Je veux dire... Merci. La bête. Où? La bête. Je viens de voir le docteur, là. Bon, il m'a dit que c'était pas très grave, hein. Tu vas vite t'en mettre sur pied, tu vas voir. Bon, j'ai un truc important à te dire. Allez, je me jette dans l'eau. Ok, je suis gardien d'immeuble. Ok, j'ai aucun diplôme. Enfin, sauf mon premier degré de pétanque, et ça, j'y tiens, Babette, hein. Attention, je sais que souvent t'as honte de moi, je sais que Stéphane est un meilleur parti, mais bon, c'est un gros con, et moi, je t'aime. Voilà, je t'ai tout dit, toi, bien sûr, tu dis rien. Bah, c'est-à-dire que je sais pas quoi répondre. Oh, la boulette. Non, mais y a pas de mal. Ça peut peut-être marcher entre nous. Ouais, alors avec une bonne chirurgie esthétique, hein. Mais t'es con quoi là, tu me laisses me ramasser comme ça, mais t'es vraiment une garce. Bah dis donc, non seulement tu m'envoies le stop et en plus tu m'insultes. Mais non. Sinon avec la dame, vous allez vous revoir? Super rôle, tiens, je t'ai ramené un saucisson, je sais que t'adores ça. Oh, c'est gentil ça. Oh, viens. T'es amnestique ou t'es sincère là? Ah, oh j'ai mal là, tu veux pas m'ausculter? Là, là. Ah. Juste là. Oui, bon, la petite dame, oh là 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 là, quelle belle courbe, oh. Il va falloir prendre la température, là. Oh, mais pas ici, docteur. Ah, non, pas ici, oh, madame. Pas ici, docteur. Ah, non. Attends, ils ont eu une attitude déplorable. J'arrive pas à y croire, mais surtout mon père. Ouais, bah le mien aussi, hein. Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Je vais te dire un truc qui va peut-être te contrarier, mon amour, mais j'ai l'impression que ta sœur prenait son pied pendant la dispute, hein. Attends, j'ai remarqué, elle ne supporte pas le bonheur des autres, et encore moins le mien, tiens.
Oh non, merci, non. Tu sais ce que j'ai réalisé pendant ce déjeuner? J'ai réalisé quelque chose de très important. Ouais, que mon grand-père était en train de devenir zinzin. Au sujet du mariage. Voilà, pendant que nos deux familles se prenaient la tête, eh ben j'ai réalisé que j'y tenais plus autant que ça. T'es en train de me dire que t'as plus envie de te marier? Toi et moi, on n'a pas besoin de contrat pour s'aimer. T'as peut-être raison, ouais. La seule chose qui m'attriste, c'est que tu me verras jamais avec ma belle robe blanche. Attends. Je crois que j'ai une idée. Hein? Il faut que tu ailles, si quelqu'un arrive. Si quelqu'un arrive, enfin, t'attends qui? À part Stéphane, personne peut venir. Tiens, de toute façon, même s'il vient, lui, il pourra se consoler. Avec Claudia Schiffer. Oh non, mais je suis dans la merde, il faut que je lui parle. Je crois que ça sera pas nécessaire. Je vais chercher l'appareil photo. Après, tu me donnes mon cadeau, d'accord? Oui. Monsieur. Oh non. Oh non, Julien, tu m'as pas fait ça, j'adore! Quelle idée géniale! Mais entrez, messieurs, entrez! Oh là là, si je m'attendais à celle-là, mais je savais pas que vous faisiez ça en dehors du service. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre un peu de musique et en avant pour le striptease. Oh, ben, sois pas timide, toi. Gring, gring! Et hop! Dis donc, toi, tu t'es rasé avec un boudin chaud? Allez, musique! Mais allez, je vais pas être le seul à danser. Allez, toi, fais péter les menottes! Je suis votre prisonnier. Rémi, calme-toi. Viens là. Viens là. On est bien chez Monsieur Julien Bardot? Oui. C'est vous qui avez déposé plainte contre Monsieur Costa? Oui, en effet. Eh bien, prévenez tous les voisins concernés. On se retrouve en bas dans 5 minutes, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, mais enfin, c'est quand même mon anniversaire. Et dites à votre ami qu'il se calme avant que je l'embarque pour outrage à agent. Pardon. Et sinon, vous connaissez cette personne? Stratégie numéro 1, stratégie numéro 2. Si nous sommes ici ce soir, à une heure où normalement je suis couchée, c'est pour célébrer l'union de cet homme et de cette femme. Allez, va à l'essentiel. Bon, par le grand conseil Jedi et l'anneau de Sauron, je vous déclare... mari et femme. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Et attendez que je sois sortie quand même, parce que je suis mineure. Messieurs, dames, un peu de silence, s'il vous plaît. Très bien. Alors, bande de ouf, j'espère que vous ne m'avez pas dérangé pour rien. J'allais conclure avec Bernard. Bon, bien, non, attendez. L'heure de vérité a sonné, Agnès. Prépare quelque chose de froid. Je ne suis pas prêt de rentrer, qu'on en finisse. Faites votre devoir, allez. Écoutez, monsieur, mon mari raconte n'importe quoi. Il est innocent, je vous le jure. Laissez-le, moi, je ne peux pas dormir sans lui. Non, j'assume totalement mes responsabilités. Ouais, c'est ça. Jacques l'éventreur aussi, il disait ça. Mais attendez, personne ne va être arrêté. Ouais, Agnès, préviens les médias. Bon, calmez-vous. Monsieur Costa a été victime du gang des lapins qui sévit en ce moment dans la région. Ah, bah super, il a fallu que ça tombe sur lui. Et on a arrêté le chef du gang, Dédé la Carotte, qui opérait en roller. Et on a récupéré vos 60 000 euros. Et ils sont où nos sous, monsieur l'agent? Rendez-les-nous! Ça va pas être possible, madame. Ils sont sous séquestre, vous les aurez après enquête. Et ça va prendre longtemps? Bon, ça, il faut compter entre 6 mois et 3 ans. Vous savez, non, mais les procédures sont longues. Ouais, mais enfin, j'avais bien dit que c'était pas moi qui avais volé l'argent, alors j'attends vos excuses. Oh! Bonsoir. C'est beau l'amour, chef. Ah bah, très bien, voilà. Alors, je profite que
tout le monde soit là pour vous annoncer quelque chose de très important. Alors voilà, vous savez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Rémi et je voulais lui faire une surprise. Voilà, mes chers voisins, je voulais vous annoncer que je suis homosexuel et que Rémi et moi sommes ensemble. Voilà. C'est beau l'amour, chef. Bon, ça va, tu l'as déjà dit. Tu parles d'une nouvelle. Il parle d'un scoop. Moi je le savais depuis longtemps. Hey, oh, vous avez vu ce qu'il y a de fait? C'est un très beau cadeau. Ah oui, vous faites mon cadeau? Bah c'était ça ton cadeau? Bah évidemment c'était ça. Oui enfin c'était ça le cadeau. Attends, c'est ça mon cadeau? Bah oui c'était ça ton cadeau. Oh je plaisante. C'est le plus beau coming out que j'ai jamais vu. Mais t'as pas eu l'impression qu'ils s'en étaient déjà tous rendus compte? C'est pas grave. Le principal c'est que toi tu t'en sois rendu compte. Ça t'est gêné mais en vrai. Vive le mari. JPEG, si tu sais où est caché mon autre cadeau, bouge une oreille. Ouais, d'accord, merci pour ta collaboration. Allez, JPEG, si tu me le dis, je te donne une carotte. Ton attitude est déplorable, JPEG. Mais vraiment. Ah oui, tu te crois séduisant en faisant ça? Qu'est-ce que c'est con, lapin?